Ils seront 570 élèves des collèges et des lycées de quatre villes, notamment Brazzaville, Oando-Dolisie et Pointe-Noire. Le festival scolaire Les 12 goûts du livre 2024 pour une compétition en lecture et dictée qui s'annonce alléchante. L'idée principale du festival, c'est que ça devienne un festival national après que ça devienne un festival africain. Donc cette année-ci, on l'a rajouté encore deux villes, qui est Oando et Dolisie. Dans sa sélection, d'abord, l'inscription, il faut la dire, pour toutes les écoles, elle est gratuite. Cette année-ci, c'est des professeurs de français qui vont devenir des coachs pour ces clubs de lecture-là. Dans l'objectif d'intégrer l'école dans les préparatifs de l'activité. L'objectif est d'accompagner les élèves dans le développement du goût pour la lecture et améliorer leurs compétences en écriture à travers des activités ludiques et compétitives. Pour la partie championnat des clubs scolaires de lecture, ce sera deux écoles par arrondissement, une école publique, une école privée. Il y aura trois compétitions. La première compétition, c'est le championnat national des clubs scolaires de lecture. La deuxième compétition, c'est le concours scolaire du photojournalisme. Et la troisième compétition, c'est le grand oral des chefs d'établissement scolaire. En plus des trois compétitions, nous aurons trois prix spéciaux. Le prix Kalissa Ikama du meilleur exposé oral, le prix magazine visé l'excellence du meilleur chef d'établissement scolaire et le prix de la fondation UBA de la meilleure rédaction. Le festival est un tremplin pour encourager les élèves à s'engager davantage dans les activités littéraires et développer les compétences dans le domaine de la lecture et l'écriture. Aussi, créer les clubs des lectures dans les établissements scolaires.